Dernière journée de classe festive au Collège du Sourdi avec, pour la troisième année consécutive, la cérémonie des Oscars. Une fois encore, les élèves qui se sont investis dans des activités extrascolaires et qui y ont brillé ont été récompensés. Cette année, 9 prix ont été décernés dans différents domaines artistiques, sportifs, pédagogiques ou civiques. Donc l'objectif, c'est de mettre en valeur des élèves qui se sont manifestés tout au long de l'année dans des actions avec les enseignants, pas forcément sur leurs résultats scolaires, mais sur des valeurs humaines et de partage. Donc on a différents prix qu'on attribue chaque année et on voit en fonction de ce que les élèves ont fait, la nature des prix qu'on peut leur proposer. Le bien-être des élèves rejaillit forcément sur les résultats scolaires et puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On essaie de faire en sorte que les élèves prennent du plaisir à venir au collège. Et vous voyez aujourd'hui, même si c'est le dernier jour, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils respectent les consignes qu'on peut leur donner. Parmi les prix, celui des acteurs assidus, des lectrices les plus mordues, de la course d'orientation ou encore du comportement citoyen. Autre récompense, le prix de la présentatrice radio, décerné à la jeune Néa Leroy, qui a pratiqué pendant une journée à Radio Loupio. Cette radio coopérative d'école publique qui a émis depuis le collège de l'anglais à Saint-Hermine pendant 5 jours. Toute la journée, on a présenté des expériences, on a raconté nos histoires vraies, on a fait quelques blagues, on a fait plein de choses et c'était vraiment bien, c'était une expérience super bien et j'ai beaucoup apprécié et surtout d'être toute la journée derrière le micro. Plus j'aime bien ça, alors du coup ça m'a vraiment plu. Je l'avais déjà fait une fois, mais c'était pas comme ça. Là, c'était sur une heure, quelque chose comme ça. Là, c'était vraiment toute une journée. C'est vraiment un gros boulot. Il y a des préparatifs. On a mis au moins un mois à préparer ça, même plus. On était au CDI avec Madame Bonnet. On a préparé nos histoires vraies avec notre prof de français, Madame Ragnaud, que je remercie. Et voilà. Et puis cette journée des Oscars avait un goût particulier pour les élèves de 3e dont c'était le dernier jour dans un collège où il faisait bon étudier. Ouais, franchement, ouais. Enfin, c'est familial, du coup, tout le monde se connaît. Moi, j'ai quelque chose, c'est la dernière année, là. Bah oui, ça fait quelque chose. Ça fait quoi? Bah, stress, parce qu'on ne verra plus nos copains, parce qu'on part tous dans un chemin différent, du coup, on sera tous seuls. Salut.